faut organiser. Ok, pour l'instant. J'espère que vous allez. Bonsoir à tous, là où vous êtes. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous, là où vous êtes. J'espère que vous allez bien. Pour le sujet d'aujourd'hui, on aborde... Pardon un moment. Ok, pour l'instant, ça va. Alors, on aborde pour ce moment le sujet environnemental. L'instant nous impose des tas de choses, mais l'avenir nous indique d'énormes responsabilités à assumer. Toujours du point positif des choses, on doit s'organiser, faire d'autres calculs, changer nos manières d'agir, nos manières de consommation et nos habitudes. Le cri de la Terre se répète incessamment. Les cris de cette Terre font valser les atrocités et les tragédies. Il est légitime de rêver d'un avenir meilleur, mais on doit le bâtir maintenant. En commençant par la préservation d'environnement, soit personne ou établissement. On est tous dans le même radeau. On ne sera sain et indigne et indemne, sauf si l'environnement est sain et bien équilibré écologiquement. La santé de la Terre liée à la santé de l'humain, à la santé de l'air et plus à l'eau. Et la santé de l'air et de l'être aussi. L'être, ça veut dire l'être humain, est lié à la nappe phréatique au sol. De ce point, oui, c'est beau de désinfecter ruelles et passages. Mais d'après la science, l'absorption des matières toxiques où l'exagération en utilisation s'amène à des catastrophes sur la santé, sur la nourriture et surtout. Et on sait bien que l'iode est un bon désinfectant et l'iode, automatiquement, ça se vend en pharmacie par des tubes de purification, mais ça se trouve aussi en large mer. Ça veut dire, cette formule-là, elle n'est pas cachée. Et la mer offre généreusement de l'eau. Au lieu d'acheter des désinfectants, je parle à des communes qui ont exagéré en achat de ces produits-là. Et même pour la bonne cause, mais la terre qui l'absorbe, c'est catastrophique pour l'avenir. On parle écologiquement et on ne parle pas pour l'argent maintenant, on parle pour la santé de l'être d'ici même 2 années au plus.
Donc, c'est favorable pour désinfecter le sol par cette matière qui ne va pas coûter cher à plusieurs communes. Je parle à des communes au Maroc qui ne sont pas loin de la mer, même pas 250 km, même pas 160, il n'y en a même pas 30. Pourquoi pas n'utiliser cette richesse-là pour combattre le virus, les microbes? Donc, puisque j'ai parlé en français, je peux parler maintenant en arabe, en attendant toujours vos réactions. أحبائي قبل كل شيء وزع هذا الفيديو قد يكون له صدى طيب أو لا أعلم. المهم نعلم جميعا أن صحة الإنسان مرتبطة بصحة الأرض، بصحة المحيط والبيئة، وصحة البيئة قبل كل شيء مرتبطة بما هو حيوي، يعني الماء والجو والهواء. اذا كان الماء ملوث يعني ما غاديش يعطي اغذيه مناسبه للصحه واللي غتكون، يعني اذا استمروا بعض الجماعات في استعمال الكلور بواحد الشكل يعني مبالغ فيه، غتكون العواقب وخيمه على الفرشه المائيه وبالتالي على الزراعة في المحيط. وكنعرفوا بأن بالخصوص في البركة ديال السيس فهي الأكثر تلوثا بالأسمدة. لماذا لا نستعمل ماء البحر؟ وماء البحر يتكون من مادة اليود، وهذه المادة محاربة للبكتيريا، محاربة بزاف ديال. لماذا لا تستعمل الجماعات ليست بعيدة عن البحر، والبحر الصخي يعطي الماء. إذا يمكن ديزانفيكتاو الصهاريج ويجيو المدن، لما لا تستغل هذه الثروة. أظن كل بلدان العالم لا إلا من هي في وسط فلا نتكلم عليها، فأثبتت التجارب. فحتى إيطاليا الآن تستعملها من أجل تعقيم الأرضيات ومن أجل تعقيم. لماذا لا تكون بادرة من الدول العربية، من المغرب، من جماعة الحجب مثلا؟ فتحية لها على السكان الذين حافظوا على بعضهم، وتحية للجميع. Amour les langues françaises. Mes chers, c'est voilà, on attend toujours vos interventions. Nous sommes à votre écoute. On va passer un peu avec de la musique. Eh bien. Mes chers, on a parlé de l'écologie, mais maintenant on va parler. Mes chers, on a parlé de l'écologie, mais maintenant on va parler de la gouvernance. Pardon. Il y a... De toute façon, on a parlé de l'écologie, maintenant on va parler de la gouvernance. C'était mon téléphone et je n'ai pas pris attention.
Donc, bienvenue à toutes vos interventions. On vous attend. On est là. En chair et os. Je m'appelle Abdelaziz Achoua. Bienvenue. Alors, pour la gouvernance, le temps est le temps d'humanisme. Il y en a 10 familles qui sont encerclées à l'intérieur de leur maison, sensibles. Ce n'est pas toujours qu'ils sont inscrits aux listes qui sont maintenant en nécessité, mais il y en a soit par défaut d'agent, soit par défaut de... Il y en a plusieurs services qui sont arrêtés. Le télétravail, ça ne mène pas à la banque. Je ne parle pas de la France, mais je parle du Maroc, où il y a la plupart des personnes n'ont pas un revenu stable. Ça veut dire qu'il y en a tant de souffrance en cet instant. On ne peut pas forcer quelqu'un qui a faim de rester chez soi, et on ne peut pas distribuer des substances par liste, on doit les distribuer par nécessité. Donc, je fais appel à toute personne au Maroc qui sont en nécessité de mettre un tissu rouge sur la porte, comme ils font n'importe où dans le monde. C'est comme ça qu'ils signalent qu'ils sont en nécessité soit de nourriture, soit de médicaments, soit de quoi que soit. Et où sont passées les associations? Oui, les associations avec tout, 80 000 auxquelles, où sont passées? Donc, il faut refaire ces listes des associations qui prennent des subventions de l'État. Je vais parler en arabe. تكلمنا عن المسألة الإيكولوجية والآن نتكلم عن مسألة الحكامة ونحن الآن في واحد الوضع جميعا في العالم وبالخصوص في المغرب حيث جل الأسرة تعاني الفقر وجل الأسرة ليس لها دخل قارب بمفهوم آخر ليس لها ضمان اجتماعي وهناك من ليسوا محصورون لدى السلطات عبر الرميد كما يشاع. إذن فتفريق الإعانات أولا يجب أن يكون حسب الحاجة، ولهذا أدعو كل الأسرة المغربية التي هي في حاجة سواء لغداء أو دواء أن ترفع راية حمراء، ليس الراية المغربية، فلترفع الراية المغربية مستحب، ولكن يعني ثوب أحمر لتعلن المرأة والجمعيات التي تعمل في الميدان أنها في حاجة سواء لغداء أو دواء أو حتى لماء، لأن نعلم أن هناك مآسي عدة مسكوت عنها. نعلم أن كل الذين توزيع الإعانات ليست بالتساوي، لذا فهذا نداء ومن باب الحكامة. فقبل إنفاق عدة أموال على المطهرات كالكلور، فهناك ماء البحر والموارد التي ستمضي إلى الكلور أو لشركات الكلور في هذه الوضعية التي يعاني منها بعض الأسر الأمري، فلما لا تمضي هذه الإعانات لإعانات وقد تؤتي أكلها، لأن لا يمكن أن ترغم أحدا في الجوع على البقاء في المنزل لمدة قد تتراوح 15 أو شهر أو ربما أكثر، فلا أحد يعلم بالضبط متى ينتهي الوباء، أعتذر الوباء عالميا. لذا فمزيدا من التضامن، فالوضعية فعلا تبشر بالخير، لأن هناك معدل الشفاء مرتفع يرتفع يوم بعد يوم، ولكن حتى عدد الإصابات ترتفع يوما بعد يوم. سأمر إلى اللغة الفرنسية. مشيخ à travers le monde on doit penser
aux pays de l'Amérique latine, la plupart, ils sont pauvres. Donc, une pensée à ces pays-là. Ils sont face aussi à une menace. Ils sont face à une pauvreté plus large. Donc, une pensée à ces pays-là. Oui. La Chili et d'autres pays, le Pérou, la Mexique aussi, d'autres pays plus. Je ne peux pas citer tout, mais l'expansion de la maladie, ça s'élargit. Donc soyons humains, pensez à l'autre, restons chez soi. Et je vous laisse un peu avec de la musique. Et bienvenue pour tout dialogue. Comme toujours, on vous attend, on attend vos réactions, on est à l'écoute. À noter que la musique, c'est nous, on produit tout, donc soyez le bienvenu, on attend toujours vos réactions. Parfois, ça prend un peu de temps, mais c'est normal. La diffusion en live, c'est comme ça. Je vous laisse avec cette musique-là. C'est la production d'aujourd'hui. J'attends toujours vos réactions. Je suis à l'écoute, je vous vois. Il y a 5 qui me regardent maintenant. What?
On attend toujours vos réactions. J'ai mon téléphone à la main, donc je regarde. Et toujours au domaine de la solidarité, une pensée vive à toutes victimes, à leurs proches, au monde entier. Solidarité, c'est l'avenir. Soyez solidaires. Toujours le bienvenu pour vos suggestions, pour tout. Lorsque j'ai mis le casque, il y a la double voix, donc je me trouve un peu... C'est pourquoi parfois j'allonge le mot, mais c'est comme ça. Donc, soyez nombreux à dire vos mots, à le faire entendre. La gouvernance est liée à la solidarité. Lié à la pensée vers l'autre, et la solidarité exige à l'humanité qu'elle soit main dans la main à travers le monde. Donc soyez solidaire avec l'autre, préservant l'autre en restant chez soi, en pensant aussi à l'autre, comment il vit, comment sa situation. Donc c'est ça l'humanisme, et la solidarité, c'est toujours, c'est l'avenir. Le futur, et le futur proche, soyons solidaires.
On attend à écouter vos paroles, vos opinions. Ça me tarde un peu, donc soyez le bienvenu à votre écoute. On vous attend. Et merci. تحية خاصة المغاربة العالم يعطلني في تحية خاصة المغاربة العالم une forte pensée à tous les victimes et hommage au corps médical à travers le monde et chapeau à tous qui militent pour l'autre, à tous qui préservent l'autre en restant chez soi.
Soyons humains et optimistes. Musique de ce soir. On prépare ce qu'on va manger le soir. On a des ressources limitées, donc c'est mieux de préparer un produit de soi, quel que soit. Soit il y a des fausses notes, ou... mais on fait tout ça comme signe de solidarité. Et on incite toujours à penser à l'autre. On partage des messages d'amour, des messages de cohabitation. On est tous pareils. On est égaux, on est sur le même radeau. Donc, ramons vers la bonne rive. Ramons, ramez, ramez. Fais-le, il a un défaut. Je joue avec les jamais. Faites ça dans mon... Ou à l'oratère. فلنكون متضامنين فلنفكر في الآخر فلنحافظ على الآخر بالبقاء في منازلنا ما أقبح الحاجة ولكن ما أقصى الضرر soyons oui la nécessité est dure mais le mal est plus dur que la nécessité, donc restons chez soi, préservons l'autre, quelle que soit la situation. Ce n'est pas éternel, ce n'est pas intangible, il va finir, il sera beau comme toujours. Je parle d'atmosphère, je parle des relations, je parle de tout, et chapeau toujours au corps médical qui milite à ces instants pour préserver plus de vie. Le docteur est humain, l'infirmière est humaine, et tout est humain, même les agents de service, tout qui opère pour l'autre, et qui empêche aussi que le virus se transmet de plus en plus, mais on pensait vivre toujours à toute victime, à travers le monde, quelle que soit sa race, quelle que soit... la couleur de sa peau, de sa religion, on est égaux face à cette menace. Donc soyons solidaires, c'est ça le message d'amour à transmettre, toujours. Toujours la chaîne remercie tous les gens qui la soutiennent, mais elle demande de plus, donc soyez nombreux. Merci. Ça c'est mon profil, mais je pars de la chaîne YouTube, donc soutenez-la, elle est faite pour tous, pour tout. Un petit rappel pour l'eau et pour l'environnement.
Et pour la santé humaine, la santé humaine est liée aussi à la santé de l'eau, à la santé du sol et à la santé de l'air. C'est les constitutions qui donnent la vie. Donc, préservons l'eau, préservons l'atmosphère, préservons l'environnement. C'est ça le message. C'est ça l'héritage qu'on doit passer aux jeunes et à toute génération qui va nous succéder sur cette planète qui est belle. Mais ces cris se répètent. L'appel au secours de tous côtés. Donc préservons la Terre. Si on préserve la Terre, on se préserve. Oui. Et en préservant la Terre, on préserve la continuation de la civilisation d'une part. De l'intelligence et chapeau à tout qui milite aussi pour passer la connaissance, pour passer le savoir et le transmettre gratuitement, surtout en cette période. Et je lance un appel, surtout dans les pays où il n'y a pas un accès à l'Internet ou un accès payant et accablant pour les familles pauvres, surtout au Maroc, où la, si on peut dire, 15% des étudiants qui ont accès à l'information, qui ont accès à l'Internet, donc où va 75%. Donc, appel aux sociétés de la télécommunication, je ne parle pas des noms, mais de faire du frais, du libre pour cette période comme signe de solidarité, sachant bien que ces sociétés-là, ils ont accumulé plusieurs gains, donc pourquoi pas être solidaire pour une période. Appelle aussi à tous riches de payer une part s'ils peuvent. Donc la solidarité l'exige, la solidarité, l'égalité, soit l'information, soit en subvention. C'est ça la solidarité. Pensez à l'autre, préservez l'autre. Et merci toujours, j'attends toujours vos interventions. Je suis à votre écoute et je vous laisse toujours avec cette musique. Je reviens.
Toujours on attend vos interventions, on est prêt. Alors, soyez les bienvenus toujours. Toujours on attend vos suggestions pour le sujet demain, pour qu'il y aura plus d'interactions, qu'il y aura plus de gens qui donnent leur avis. Donc on vous demande vos suggestions pour le sujet de demain. Je passe à la semaine à Nakon Finoussawa. Ça, nous bubikum. طعنا موضوع لغد ليكون هناك تفاعل لكي لا نفعل دائما الأمور نحن لتكون هناك ديمقراطة في المواضيع فأهلا بالجميع.
لا نقص أحد. فهذه قناة الجميع، قناة المبدعين، قناة الفنانين، فأهلا بالجميع، فهي في خدمة الجميع كقناة للإنسانية قبل كل شيء. Comme on a dit toujours, penser à l'autre et toujours la chaîne, c'est au service de l'autre avant tout. Elle est créée pour l'autre, soit au côté artistique, soit au côté humanitaire. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la question environnementale, ça veut dire l'écologie et la désinfection. Donc, c'était dit, on attend toujours vos réactions, on est à l'écoute et merci bien d'avoir suivi et on vous attend toujours. À noter aussi, l'environnement, ce n'est pas toujours seulement la terre, l'écologie, mais c'est aussi le comportement, c'est aussi ce qu'on dit, nos réactions, en tout général, le comportement. Enfin, il y a des choses qui sont à l'écologie, في المحسي سلوكنا حتى من حيث الحوار من حيث كل شيء فهذا هو التضامن تنقية البيئة من بين التضامن
Et toujours on le dit, préserver l'autre, c'est préserver soi. Et en préservant l'autre, c'est ça l'avenir, c'est ça la solidarité. Donc, la solidarité exige qu'on soit égaux aussi. Vrai, on souffre tous. On n'a pas les mêmes circonstances tous, mais on est tous égaux à cet instant-là. Toujours il y a du manque. Donc soyons plus solides que jamais, plus unifiés. Je parle de toute la Terre, c'est pas seulement d'un coin ou d'un pays. Toute la Terre, je parle à l'humain comme message d'amour, comme message de... comme ça. Donc soyons solidaires et unis, pensons à l'autre, pensons à l'environnement. Oui, c'est le temps de mettre un petit temps de révision, de comportement. C'est ça l'humanité. Pensez toujours à l'autre, préservez l'autre, et toujours un hommage au corps médical à travers le monde. Et si on chapeau aussi à toute personne qui offre soit des services, soit pour l'humanitaire en ce temps-là. Et si j'ai de l'humanité, c'est tous les pays sans exception. On est égaux, on est pareil, on est face aux menaces. Donc, soyons optimistes parce que le lendemain est toujours beau. La vie est beau, donc on la tient à arrache-temps. Et on la suit à arrache-pied. C'est ça le vrai humain, c'est de préserver soi. Et si on se préserve, on préserve aussi l'autre, on préserve l'environnement. Et merci à tous qui suivent la chaîne et on attend toujours vos opinions, vos interactions et même vos critiques. On n'est pas parfait. On est seulement une chaîne autodidacte, mais à une expérience au domaine du traitement d'image, de la vidéo. On essaie de faire les choses artistiquement, en se défiant, bien sûr, pour donner le meilleur toujours. Donc, soutenez la chaîne. Je ne demande pas des likes, je demande non. Ils ne sont pas une chaîne qui fait la mondiosité des likes, non, mais sinon il y a des sujets où la banalité, non, on est hors de la banalité et on est hors de la banalité, donc on essaie de donner le meilleur. S'il y a des erreurs, prière de les pardonner. Et j'ai oublié aussi de les critiquer parce qu'un bon critique, ça bâtit. Merci bien, à l'écoute toujours et à l'attente toujours, une animation solidaire avec l'humanité. Merci à tous.